Il est 18h passé de quelques minutes. Ouverture du club. Hello world, wake me up to another good, good morning, time to go. Bonsoir et bienvenue dans le Club Objectif Gare. Chaque soir de la semaine autour de 18h, on vous retrouve pour une heure d'information en direct. Ce soir, notre invité, c'est David Tebib, le président de l'USM Nîmes Gare. Bonsoir David Tebib. Bonsoir, très heureux d'être avec la team. On est ravis de vous accueillir sur le plateau. Vous n'étiez pas venu encore dans cette émission? Non. Mais on peut raconter une coulisse quand même, puisque vous avez participé au numéro 0 du Club Objectif Gare. Tout à fait, c'est vrai, c'était un bon moment. L'avant-première. J'ai eu droit à peu près à tout. C'est ça. J'ai eu droit aux questions dégustations, en rafale de Coralie. Questions, je croyais que c'était en réel en fait. Hein. Coralie, différencier la réalité de la répétition, c'était difficile. Oui. Mais oui, c'était un bon moment. On avait bien rigolé. On a un témoin exceptionnel qui est avec nous ce soir. C'est Antoine, chanteur, reporter. Il vient nous parler de son extraordinaire voyage en Nouvelle-Zélande, en bateau, je crois. En bateau, demain, en avion, en train, même en calèche, enfin, par tous les moyens de transport. Demain, vous animerez une conférence au CGR Nîmes. Voilà, on présente votre cinéma, film. Notre exactement. Film Escale en Nouvelle-Zélande. Voilà. Votre film documentaire. Mais ce soir, vous êtes dans le club. Bonsoir Antoine, merci d'être avec nous. Eh bien, merci de m'accueillir. Voilà. Avec très grand plaisir. Ravi de retour à Nîmes, que j'aime bien, voilà. Eh bien, c'est super. Un de nos sociétaires est avec nous. Ce soir, c'est Jean-Baptiste Jouve. Bonsoir, Jean-Baptiste. Bonsoir, Abdel. Bonsoir, tout le monde. Tout va bien, Jean-Baptiste? Tout va bien. Ravi d'être ici. Il y a de sacrées têtes d'affiches des Républicains qui vont débarquer prochainement à Nîmes. Et oui, c'est un moment. Il y a Aurélien Pradier. Tout à fait. C'est un moment. C'est la dernière ligne droite de l'élection pour la présidence. Vous représentez les jeunes chez les Républicains. Tout à fait. Est-ce que vous avez fait votre choix, Jean-Baptiste? Moi, j'ai dit que le plus important pour moi, chez les Républicains, ce serait de désigner rapidement un candidat pour l'élection présidentielle. Ce n'est pas qu'il n'y a que ça qui compte, mais c'est aussi l'objectif d'une formation politique, à savoir exercer un jour le pouvoir. Et dans cette optique, mon choix, il est très simple. J'espère que ce sera Laurent Wauquiez, notre candidat, en 2027. Aujourd'hui, parmi les candidats, il y en a un seul qui s'est clairement engagé derrière lui et à le propulser. Ce sera Éric Ciotti. Ce sera donc votre candidat. Donc je voterai Éric Ciotti dans cet esprit-là. Bon, ça ne vous ennuie pas ce soir, on ne va pas parler politique. Mais ça va nous changer. Ce n'est pas du tout un problème. On va parler cinéma, on va parler voyage, bien évidemment. Peut-être un peu musique, on verra. On peut parler de tout ce que vous voulez. Bon, en tout cas, on est ravis que vous soyez là. Jean-Baptiste Corentin Corgé est également là, notre journaliste. Bonsoir Corentin. Bonsoir Abdel, bonsoir à tous. On ne change pas nos habitudes, peut-être les titres de ce soir. Eh oui, une famille menacée d'expulsion du côté d'Uzès, des enfants nîmois qui plantent des arbres et l'inauguration de l'extension de la gendarmerie à Vauvert. Alors demain, c'est vendredi. Moi, je ne présente pas l'émission le vendredi parce qu'il y a un club sport, on le dira tout à l'heure. Donc, du coup, je veux savoir quand même s'il va faire beau. Parce que je vais pour aller se balader un petit peu. Oui, il fera beau. Le soleil sera de la partie demain. Allez, tout va bien. Sacha Virga est également avec nous derrière le comptoir. Bonsoir, Sacha. Bonsoir, j'ai pris mes aises autour de ce comptoir parce qu'il n'y a personne. Exactement. Et bonsoir à tous. Pareil, il est quand même bien accompagné. Oui. Ah, c'est vrai. C'est pas mal. Très beau casque. Et c'est parce qu'on va parler cinéma et qu'il y a David Tebib en plateau, effectivement. Sacha, on vous retrouve tout à l'heure pour votre super game, le Branded Brain. Tout à fait. C'est David Tebib qui va y participer. Allez, place tout de suite au témoin du club. Allez, Corentin, vous nous présentez le témoin de ce soir et vous nous expliquez surtout pourquoi il est dans l'émission. Eh oui, vous l'avez dit, ce soir, notre témoin Abdel, il est à côté de moi. C'est Antoine, chanteur, voyageur, photographe, réalisateur. J'ai rien oublié. Oh, j'ai fait 27 métiers dans ma vie. Voilà, on ne va pas tous les citer. Alors, vous êtes avec nous, Abdel l'a dit, parce que demain, vous animez une conférence au cinéma CGR de Nîmes, qui est tout près d'ici, pour présenter aux Nîmois votre voyage exceptionnel, notamment en bateau en Nouvelle-Zélande, voyageant sur les océans depuis près de 50 ans, mais dans le Pacifique depuis plus de 20 ans, avec votre compagne française. Vous avez eu un coup de foudre pour une nation, donc au bout du monde, la Nouvelle-Zélande. Vous en avez tiré un film documentaire consacré aux spectaculaires manifestations de la nature, aux paysages époustouflants, aux plages volcans, mais aussi aux traditions et bien sûr aux habitants de cette île, la Nouvelle-Zélande. Monsieur David Tebib le connaît bien, c'est aussi le terrain de jeu pour le cinéma, dont un débat, on en parlera tout à l'heure. En effet, c'est sur ces terres que les films Les Seigneurs des Anneaux ou Le Hobbit ont été tournés.
Que pouvez-vous nous dire ce soir, Antoine, de cette expérience que vous avez vécue ? C'est un coup de foudre. Voilà, c'est un coup de foudre. Ma compagne et moi, on a adoré ce pays. On y est allé peut-être, au cours des 20 dernières années, on y est allé peut-être 10 fois. Et on a tourné, photographié, on a d'abord publié un livre chez Gallimard. Et puis que je montre. Voilà, que il est là. Et voilà, l'album de photos qu'on a entièrement réalisé nous-mêmes. Et que Nicolas nous présente effectivement en image. Et fidèle, on est fidèle à Gallimard depuis très longtemps, qui nous publie. C'est un honneur d'être plus libéreux. Et puis demain, donc à 14h au CGR, on fait une tournée actuellement. On présente ce film qui dure une heure et demie à peu près, en deux parties. Et puis on dédicace des livres aux gens qui ont envie d'avoir une dédicace. Et puis on répond à leurs questions surtout. Là, on était tout à l'heure à Vitrolles. Avant, on a commencé à Cagnes-sur-Mer. On était à Draguignan, Manosque. Et donc demain, on est à Nîmes. C'est un vrai bonheur. Je dis que Nîmes, j'adore. Moi, je venais à vélo ici quand j'étais petit. Enfin, j'étais jeune, j'avais 17-18 ans. On parcourait la Provence à vélo. Et je venais à Nîmes et on a été chargé, entre autres, de nourrir toute une équipe. On était une dizaine de Français, une dizaine d'Américains qui faisaient cette balade. Et puis, il fallait les nourrir. Moi, je les avais nourris avec de la gardiane. Voilà. Le jour où j'étais de corvée, je les avais amenés manger de la gardiane. Pour revenir sur le documentaire, c'est vous qui avez tourné les images ? On a tout tourné nous-mêmes, d'accord, ma compagne et moi. Alors, c'est une petite équipe, mais on travaille comme ça depuis 2002 que la vidéo, c'est des petites caméras maintenant, c'est plus les grosses machines que c'était avant, et une qualité d'image extraordinaire. Là, je suis super impressionné dans les salles de cinéma comme ça, les écrans des CGR, c'est immense, hein. Ça fait 14 mètres de base, et à peu près certaines. Et le film, il passe comme ça, c'est un vrai bonheur, quoi. C'est très... Et puis là, ce qui est génial aussi, c'est la gentillesse des gens. Ils ont des étoiles, du bleu dans les yeux quand je raconte ça. Ils ont des questions intéressantes, sympathiques et tout. Et je suis surpris aussi, plein de gens parmi eux ont envie d'y aller, sont en train de préparer un voyage, ou bien ont un ami qui y est, ou bien un fils, un enfant. Moi, mes trois enfants ont fait des séjours là-bas en stage avant de finir leurs études, quoi. Et ils ont adoré ça aussi, ils sont restés longtemps. Donc, c'est un pays qui me plaît beaucoup. D'où vient le goût que vous avez, Antoine, pour ces voyages au bout du monde ? Je suis né voyageur, hein. Mon père, il était corse, et comme beaucoup de Corses, il est parti dans le monde entier pour servir la nation française. Il était directeur des travaux publics, donc il a construit des routes et planté des arbres un peu partout dans le monde. Je suis né à Madagascar, j'ai traversé 4 fois l'Atlantique Vous êtes un citoyen du monde, en réalité. Oui, citoyen du monde, des océans et de tous les continents, en fait. Voilà. Et j'ai traversé l'Atlantique 4 fois avant d'avoir 10 ans sur des paquebots. Et puis, on a vécu au Cameroun. Et même quand on est revenu ensuite, en Europe, ben moi, c'est le voyage qui me plaisait, quoi. Donc, j'ai découvert ça très vite. Dans les années 60, la guitare, l'harmonica, je me baladais à travers l'Europe et ça. Je suis venu à Marseille, j'étais dans la région, un peu partout. Quels sont les habitants du monde qui sont les plus accueillants ? Parce que comme vous avez visité de nombreux pays, oui, on se pose la question de savoir où c'est qu'on nous accueille le mieux. En Polynésie, par exemple, oui. En Polynésie, j'adore la Polynésie. Pas forcément Tahiti même, les endroits trop développés, quoi. Mais la Polynésie française ? Polynésie française, mais également d'autres endroits. Je connais au moins une quinzaine d'archipels différents en Polynésie, dans le Pacifique. Tous très variés, certains avec des montagnes, d'autres au ras de l'eau qui risque de disparaître d'ailleurs avec le changement de climatique. Et c'est vrai que c'est dans les endroits les plus reculés, les moins visités qu'on est le mieux accueilli. Mais la Nouvelle-Zélande, en particulier, c'est un pays développé, c'est un pays moderne, hein, c'est un pays qui a le même niveau de vie que la France. La vie est relativement pas cher, mais un peu comme chez nous, quoi. Un petit peu comme chez nous. Et ben, les gens, ils ont le temps d'être gentils, quoi. La capitale, je dis dans le film, la capitale, elle est belle et elle est juste de taille humaine, quoi. Et puis autour, il y a toutes ces beautés, on va parler des décors de Seigneur des Anneaux, il y a la campagne, les moutons, les fleurs, les plages. C'est comme sur la carte postale. Mais en fait, on ne connaît pas beaucoup. On connaît les cartes postales de lieux comme Tahiti, mais la Nouvelle-Zélande, on connaît les All Blacks, on connaît l'oiseau, mais on découvre des tas de choses. Et puis ce qu'il y a de bien aussi, c'est un pays qui est assez petit, donc on roule 30 km et on a changé totalement de paysage. De paysage totalement. Tandis que l'Australie, il faut rouler 1000 km pour que ça change. Sur le changement climatique, vous avez effleuré le sujet, et c'est intéressant parce que vous êtes un voyageur du monde. Est-ce que vous l'avez vu, ces 20 dernières années, ce changement ? Évidemment, et en particulier, un des témoins les plus évidents, c'est les glaciers. On le sait, les glaciers, y compris sur les Alpes,
tout ça, c'est vraiment les glaciers, c'est comme, vous en dites, c'est comme le canari dans la cage, dans la mine de charbon. C'est ça qui révèle ce qui est en train de se passer, quoi. Et c'est vrai que la Nouvelle-Zélande, dans l'île sud, il y a des Alpes, des montagnes des Alpes qui montent à 3720 mètres, quelque chose comme ça, et il y a trois magnifiques glaciers, sauf que deux d'entre eux commencent à être bouffés au niveau de la mer, pas par la mer, mais n'atteignent plus la mer. Quand on les survole, c'est parfait toujours, mais on ne peut plus les atteindre de façon confortable comme ça, quoi. Et c'est les glaciers que, pareil, j'étais un autre pays, un parc américain entre l'Amérique et le Canada, qui s'appelle justement le parc des glaciers. Quand il a été créé dans les années 1870, par là, il avait 123 glaciers. Aujourd'hui, il en reste une vingtaine, c'est tout. Ouais. David Tebib, notre invité, est-ce que vous avez une question pour Antoine qui est avec nous ce soir? Non, moi je suis admiratif parce que j'avais un prof d'histoire devant moi, j'avais Indiana Jones français, je suis admiratif, on pourrait l'écouter des heures. Non, moi, la question c'est qu'est-ce qu'il pense qu'il a envie de laisser un héritage à travers tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a vu? C'est quoi ce qu'il aimerait qu'on se rappelle? Je ne cherche pas à laisser l'héritage, moi. Je serai une poignée de poussière soufflée au vent, soit dans un lagon du Pacifique, soit sur les montagnes d'Auvergne que j'aime bien. C'est tout ce que je veux. Donc, carpe diem. Je ne veux pas une tombe à marquer qu'il a fait ci, il a fait ça. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis passionné par la vie. J'ai une chance inouïe. J'ai eu une chance vraiment inouïe d'avoir des succès, des rencontres hallucinantes dans le monde entier, quoi, que ce soit Dali, Mick Jagger, Andy Warhol, Bernard Moitessier, Tabarly, des tas de gens dans tous les domaines comme ça, des vedettes, des gens, des femmes merveilleuses. Donc derrière les voyages, c'est l'humain aussi. Voilà, j'ai eu la chance inouïe de réussir dans toutes sortes de domaines et d'avoir une vie extrêmement pleine, quoi. C'est ça qui est important, c'est pas l'héritage, je m'en fiche. Jean-Baptiste. Peut-être une question, on a parlé des paysages, de tous les pays que vous avez pu visiter. Et si on rebondissait un petit peu sur ce que vous disiez, sur l'humain, est-ce qu'il y a un peuple parmi tous ceux que vous avez rencontrés qui vous a le plus passionné, le plus intéressé? Je pense que c'est les Polynésiens. Mais les Polynésiens au sens large, quoi. D'accord. C'est avec une grande variété. Il m'est arrivé d'aller dans des îles qui reçoivent un bateau une fois par an, quoi. Et même pas d'avion, qui n'ont pas d'aérodrome, quoi. Et c'était un peu comme si on était au siècle dernier, quoi. Donc la Polynésie, ça a été meilleur. J'ai des souvenirs partout de gens merveilleux, aussi bien au Brésil. J'ai adoré la fête, la musique, la joie de vivre, le Québec, des lieux très différents. Les Australiens, j'adore aussi. Ah oui, je me doute. J'ai très bien accueilli. La Nouvelle-Zélande, enfin, je suis bien partout. Même le Japon. Le Japon où on se demande un peu sur quelle planète on est. J'ai des souvenirs. On a fait un film sur le Japon, c'était merveilleux. En fait, on a une planète magnifique. Une planète magnifique, c'est ce que j'essaye de montrer. Et je suis un peu égoïste parce que j'en garde un peu beaucoup pour moi, mais j'essaie d'en partager une partie avec les spectateurs. C'est ce que je fais dans mes films et documentaire. C'est pour ça que j'aime bien présenter ces voyages et tout. Une dernière question peut-être? Ah oui. Et on a parlé de l'humain, je pense que les animaux, parce que ce n'est pas des poissons rouges, ouais. Vous avez dû rencontrer. Donc vous avez dû voir certainement des. Oui, on a réalisé des rencontres incroyables. Un film entier sur tous les animaux qu'on avait rencontrés par la planète. On n'est pas des zoologues, on n'est pas spécialement concentré sur les animaux, comme des merveilleux documentaires de la BBC, par exemple, des choses comme ça. Mais on a partout des animaux. Quand on voit en Australie, on a la chance de voir un petit kangourou, bébé kangourou, remonter dans la poche de sa maman, comme ça, et puis ensuite se mettre comme ça à regarder le monde avec un moment magique. C'est absolument magique, voilà. Est-ce que vous savez, est-ce qu'il y a une destination que vous n'avez pas encore faite, que vous aimeriez faire, peut-être sur un prochain voyage? Ah, il y en a. Écoutez, je vais vous dire, un prochain voyage, ça va être différent, mais vous allez peut-être me voir passer, parce qu'il y a 50 ans, non, pas loin, 40, 45 ans, j'ai parcouru la France par les voies d'eau, par les canaux. Les canaux, canal du Midi, le Rhône, le petit Rhône, ou le Rhône, pardon, le Rhône, le petit Rhône. Le Rhône. Je vous ferai un cours d'accent après. Et donc, j'avais adoré ça, et maintenant, avec l'âge, bon, mon âge se chiffre par le même nombre de vitesse de rotation des disques, mais pas des 45 tours ni des 33 tours, ce qu'il y avait avant, si vous vous souvenez. Voilà, donc je vais peut-être faire des voyages un peu moins lointains, parce que j'adore. Donc peut-être plus en France alors. J'adore la France, et donc je voudrais faire un reportage sur la France, vu des canaux et des lacs et des rivières. Au plaisir de vous croiser sur voilà. Et un petit truc que je voulais dire aussi. Et je vous en prie. Publicité gratuite sur Nîmes, et je ne manque jamais de vous dire
une fois par an, manger chez Alexandre. Voilà. Ah, très bien. C'est Garon, c'est à côté. C'est ça, il faudra prendre un taxi pour y aller. Là, vous êtes à l'avenue Feuchère à Nîmes. Hein. C'est un bel ambassadeur. Antoine, on va vous remercier d'avoir été avec nous. Merci de votre accueil. On va parler cinéma, on va parler USAM, on va parler sport. Mais on sait que vous êtes attendu, donc voilà, on va peut-être vous libérer. Ben merci beaucoup. Merci beaucoup et rendez-vous donc demain au CGR. Et c'est ce que j'allais dire. Voilà. Demain, effectivement, à 14h. Merci. À 14h au cinéma, CGR à Nîmes, pour votre conférence. Merci et pour la bonne diffusion. Continuation. Hein. Et votre documentaire. Merci beaucoup. Bien. Antoine d'avoir été très heureux. Avec nous. Très, très heureux. Allez, place tout de suite à l'interview du club. Allez, David Tebib, quelques questions pour vous. Jean-Baptiste en aura certainement une dans quelques instants. Mais pour l'instant, c'est Corentin qui va vous poser quelques questions. Kylian Mbappé, et après ? C'est pas mal déjà. Hein, c'est pas mal. Barre, c'est pour ça. À ce niveau. Est-ce qu'on peut faire plus fort ? Dans les arènes. En tout cas, c'était un véritable bon moment. Un bon moment. Parce qu'encore aujourd'hui, lorsque je marche dans les vous rues avez de Nîmes et ailleurs, j'ai des mamans, j'ai des enfants, j'ai des jeunes. Ça a vraiment marqué. Et l'objectif, c'était vraiment d'imprimer cette notion de plaisir, cette notion de tout est toujours possible, puisqu'on l'a fait avec la fondation de Kylian Mbappé, sa mère Faïza Lamari et moi-même. Et cet événement était juste magique. Et je crois que vraiment, on a eu la chance de vivre ça dans les arènes de Nîmes. Est-ce que vous réfléchissez déjà à d'autres surprises, peut-être pas aussi fortes, mais d'autres événements comme ça qui ont marqué les esprits, puisque tous les médias en ont parlé, d'aussi grande ampleur ? Oui, on est même en train de travailler sur quelque chose de plus gros que ça, plus grand que ça. Plus grand que Kylian Mbappé ? Oui. Ah. Ouais. Enfin, pas plus grand que Kylian Mbappé. Non. Je parle de l'événement en lui-même. D'accord. Toujours à Nîmes ? Je pense que la seconde va être à Nîmes, dans les arènes aussi. J'en parlerai d'abord au premier intéressé, qui est Jean-Paul Fournier, qui a été évidemment moteur sur cet événement avec toutes ses équipes, qui ont répondu plus que présent, je ne vais pas tous les citer, mais bien sûr. Je pense évidemment à Frédéric Pastore, je pense à Julien Plantier, je pense à tout le back-office, parce que vraiment, il y a eu un travail des équipes colossales pour arriver à réaliser ce défi. Et vraiment, oui, si on arrive à faire cet événement, qui va arriver dans quelques mois, je l'espère, ça sera encore plus fort que ça, et on va encore toucher notre jeunesse. Où est-ce que vous voulez aller avec cette association ? Tout est toujours possible. Alors, tout simplement faire en sorte, ce que j'avais dit, c'est véritablement être au service d'une idée, de prôner l'égalité des chances, de prôner la possibilité que, quelles que soient vos difficultés, toute la jeunesse a un avenir devant elle qui est un avenir, je l'espère, le plus ambitieux, radieux possible. Et cette association, elle a nul autre objectif que cela. Donc, voilà. Sur l'agence économique également, alors elle ne s'appelle plus Agence économique de Nîmes Métropole, mais vous en êtes le président. On en est où aujourd'hui ? Alors, on va faire une conférence de presse au mois de décembre. Donc, le conseil de développement. Fait bien de vous poser la question alors. Voilà, conseil de développement économique avec plusieurs commissions qui ont travaillé, projet de territoire, la zone d'implantation du futur centre pénitentiaire, etc., le marché gare. Et donc, l'idée de ce conseil de développement, c'est d'avoir un œil extérieur, j'allais dire, par la société civile, avec des experts, mais quelquefois aussi des personnes qui ne le sont pas, pour un petit peu prendre du recul sur certains dossiers et rendre des études, des synthèses qui peuvent amener une réflexion au président et à ses équipes. Ça vous plaît, sans directement être élu, mais avoir quand même ce rôle un peu de conseil, d'observateur ? Non, mais voilà. Je suis très content. En étant détaché, d'avoir. Voilà. Ça vous plaît, ça ? J'avais dit que je ferais de la politique sans être dans la politique. Je suis très content de pouvoir mener certaines missions. On parlait tout à l'heure de l'association « Tout est toujours possible ». C'est faire de la politique, faire de la politique de la ville à travers une association comme celle-ci. Je n'ai pas du tout envie de faire de la politique dite traditionnelle et professionnelle. Par contre, dès que je pourrai rendre service à mon territoire comme je le fais, à travers ces actions, je le ferai avec plaisir. On parle de l'USAM à présent, Corentin. Oui, après 9 matchs de championnat, un petit bilan sur ce début de saison et notamment sur le nouveau coach, Lubomir Brandčević. Qu'est-ce que vous pensez de ce début de saison ? Alors le début de saison, hormis le faux pas face à Chambéry, je pense que ça serait un bon début de saison. Nous sommes qualifiés donc depuis avant-hier en quart de finale de la Coupe de France. Ça fait quand même très longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Donc je dirais que c'est un bilan correct, peut mieux faire, mais on espère qu'on tirera le Z déjà
à la mi-saison après le 21 décembre. Oui, il y a une grosse ligne droite qui arrive. Face à Limoges. Je crois que c'est un championnat fou, il faut le rappeler. C'est un championnat qui est d'une densité incroyable. Je discutais avec Thierry Anti il y a quelques jours, qui disait que même le 10e du championnat français pourrait jouer et prétendre à la Coupe d'Europe et y tenir un rôle. Oui, donc c'est dire à quel point. Et puis là, il y a un enchaînement de matchs aussi qui est assez incroyable. Et sur la patte, Lubomir Brandjes, on sait que c'est plutôt suédois d'origine serbe, plutôt de la rigueur, le travail. On se rappelle notamment après le faux pas de Chambéry que le lendemain, il y avait eu une longue détail en vidéo de la rencontre. Ce recadrage-là. Comment vous jugez aujourd'hui, on est encore dans la phase où on apprend à se connaître. On apprend à s'apprivoiser l'un et l'autre, mais également les joueurs. Donc il faut du temps, de nouvelles méthodes, un nouveau rythme. Je crois que c'est en train de payer. On a fait un match extrêmement abouti dans le contenu face à Istres en Coupe de France. Vraiment, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu l'équipe jouer de cette manière-là, avec l'adhésion des joueurs, avec vraiment l'implication de nos jeunes. Nos jeunes ont marqué presque la moitié des buts. Et oui, Guéric Vincent, Damien Bichy-Bernon. Exactement. Notamment. Et vraiment, ça a été une vraie satisfaction. Donc j'espère qu'à la mi-saison, on aura une vision un peu plus précise quant à la méthode, quant à l'acceptation de cette méthode et aussi aux résultats. Vous l'avez dit, c'est très serré. Nîmes est 8e et n'est qu'à 2 points de la 4e place. Déjà un peu lâché du podium, quand même à 6 points. Le podium, vous auriez aimé le viser dès cette année. C'était un peu trop ambitieux. Non, ce n'était pas possible. Je ne l'ai jamais dit, le podium, cette année. Cette année, pour nous, l'idée, c'était d'être dans le top 5. Je continue à dire qu'on doit être dans le top 5. Et même podium, la 4e place, parce que la 5e place ne sera certainement pas européenne. Elle ne le sera pas. Elle ne le sera pas, donc c'est la 4e place. Mais malgré ce, revenons à ce que j'ai dit au début, c'est un championnat très difficile où il faut avoir une ambition mesurée compte tenu des budgets. On voit très bien que les trois premiers du championnat ont plusieurs millions de plus que nous. Et on sait très bien que dans les sports où il y a beaucoup de buts ou beaucoup de points, la masse salariale a un impact direct sur les résultats. Donc, je crois que les trois premiers sont à leur place. Et nous, pour l'instant… Mais la 4e place, c'est quand même l'objectif. Il y aurait une petite déception de ne pas retrouver l'Europe, que ce soit la 4e place. Aujourd'hui, ou la pour vous donner juste encore un chiffre, Aix-en-Provence est à plus d'un million d'euros de plus que nous. C'est-à-dire qu'elle a une masse salariale largement supérieure, ou en tout cas supérieure, avec des joueurs vraiment de très grande qualité, des internationaux. Et aujourd'hui, la logique voudrait que Aix prétende à cette 4e place. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, on a du Chambéry, on a du Toulouse, on a du Cesson, on a du Nîmes, on a du Saint-Raphaël, du Aix. C'est-à-dire 6 équipes pour une place. Ce qui est quand même assez incroyable. Est-ce que pour permettre d'accentuer peut-être la pression sur vos concurrents directs pour cette 4e place, est-ce que vous envisagez de recruter à la mi-saison ? Non. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des pépites au centre de formation. D'ailleurs, je discutais avec Jérôme Chauvet pour vous donner quand même un chiffre, qui est quand même un chiffre incroyable. De 2005 à 2022, 37 jeunes sont sortis avec un contrat professionnel, dont 16 à l'USAM Lingard. Je ne sais pas si vous réalisez le chiffre. Oui. Donc, au niveau de la formation, 16 joueurs sont mais il y en a pas mal cette année, en professionnels au sein du club. Donc, ça veut dire que le travail qui est fait par nos formateurs est remarquable. On y revient sur la question des centres de formation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le club de l'USAM Lingard a vraiment un centre de formation qui fonctionne, qui permet d'avoir un emploi, parce que c'est ça aussi, c'est donner un emploi à des jeunes et un emploi passion. Parce qu'être professionnel dans un sport que l'on pratique, je crois que c'est certainement pour eux la plus belle des choses. Pour prolonger la question d'Abdel, parce qu'on sait que dans le hand, et après on donnera la parole à Jean-Baptiste. Ça va très vite. On sait que c'est quasiment à ce moment-là que se calent un peu les recrues pour la saison d'après. Vous qui aimez bien nous donner des scoops, parce que peut-être pas annoncer des joueurs, mais est-ce que vous savez déjà un peu… Oui, en tout cas, on travaille sur des pistes. On a une réunion la semaine prochaine, c'est un scoop, avec Lubo Rangès, avec Jérôme Chauvet, avec Mickaël Higou. On va avoir une réunion pour un petit peu réfléchir sur les contours de l'équipe. On parle des arrivées, mais on peut parler aussi des départs, etc. Donc, je crois qu'il va falloir se poser calmement. Notamment deux anciens en fin de contrat. Oui, deux anciens en fin de contrat. Julien Robichon, Benji Gallego, qui sont des cadres. C'est difficile. Toutes ces questions vont devoir être posées, mesurées. On a une jeunesse qui est extrêmement, j'allais dire, conquérante, qui a envie de faire des choses. On l'a vu,
que ce soit Baptiste Joblon même, lorsqu'il rentre, que ce soit Damien. Mais il faut aussi, on va dire, quelques stars pour les accompagner, quelques joueurs. L'idée de Lucien Mingard, ça a toujours été cette unité entre des jeunes loups et avec aussi des cadres. Jean-Baptiste, votre question à David Tebib. Ben, on peut sortir du carcan du sport et de l'USAM. Hein. Ben, on va rester un petit peu dans l'actualité sportive. C'est sur l'actualité sportive du moment. Aujourd'hui, notamment le Nîmes Olympique, le club a licencié son entraîneur actuel. Et bon, ma question elle est un peu plus générale. C'est sur le club du Nîmes Olympique en général. Je sais que vous êtes attentif, que vous avez un regard avisé dessus. Donc j'aimerais avoir votre opinion. Qu'est-ce que vous prendriez aujourd'hui comme décision, que ce soit sur le plan sportif, pour que le Nîmes Olympique se redresse et une réussite un peu plus pérenne? Donc ça, c'est sur le plan sportif, et puis peut-être aussi sur le plan humain, avec la relation qu'entretient le club avec ses supporters, voire avec les partenaires institutionnels. Bon, c'est une question globale, mais, ouais. Bon, mais votre avis sera intéressant. De parler du sportif. Le sportif, je crois que le sportif, pour un président, c'est évidemment ce qu'il y a de plus difficile que de pouvoir... être en connexion avec le sportif. Pourquoi ? Parce que soit on connaît le sport, et j'ai la chance moi, d'avoir été joueur et en plus à l'USAM pendant des dizaines et des dizaines d'années. Je commençais en Benjamin. Donc je connais très très bien, et je suis allé jusqu'en Espoir, qui était l'équivalent de la National 1 aujourd'hui. C'était l'équipe réserve des professionnels. Donc la difficulté pour un président, c'est évidemment toujours d'avoir, une bonne connaissance et d'avoir une bonne vision sur le sportif, ce qui est toujours extrêmement difficile. Parce que donc, il vaut mieux avoir pratiqué le sport qu'on préside. En tout cas, je pense que c'est un avantage. Et est-ce que ça s'acquiert, ce regard, au fil des années? Je pense qu'en tout cas, c'est un secteur sur lequel on doit travailler, évidemment, parce qu'on doit s'informer pour travailler avec les agents, pour travailler avec la connaissance de l'aspect tactique des choses, l'aspect humain au niveau des sportifs de haut niveau, c'est vraiment des personnes très spéciales à coacher et à embarquer dans une aventure. Donc, s'entourer peut-être de professionnels. Donc, en tout cas, je ferai en sorte, puisque vous me posez la question, qu'est-ce que je ferai? Je ne vais pas présumer de quoi que ce soit. Je pense que Rani Assaf fait du travail, qui est un travail en tout cas avec conviction, et même aujourd'hui, puisque ça fait peut-être référence aussi à l'actualité suite au licenciement. Oui, bien sûr. Denis Prost, c'est un peu plus élargir. La séparation du coach. Prendre des décisions. D'accord, parce que c'est ce qui est dit par le communiqué du Nîmes Olympique. Prendre des décisions pour un président, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Voilà. C'est ce qui est le plus grand crève-cœur qu'il peut y avoir. Se séparer d'un joueur, se séparer, et je peux en parler, depuis 11 ans, c'est très difficile parce que vous êtes seul face à la décision. Et on pense que c'est toujours un exercice très facile. Mais je pense que pour Rani Assaf, c'est très difficile de prendre une telle décision parce que c'est lui seul qui la prend, qui va être jugé par rapport à ça. S'il le fait, c'est que je pense qu'il a une vision que nous n'avons pas du back-office, à savoir certainement des réflexions liées à des échéances. Ils sont sur le fil et je pense qu'il a pesé le pour et le contre pour arriver à ça. Par contre, ça peut paraître soudain. Ça peut paraître difficile, mais je pense que ça n'a pas été fait à l'emporte-pièce. Est-ce que justement, vous avez des relations avec Rani Assaf et Steve Caligaro, qui est le président du RCN? Vous êtes les trois grands présidents des trois plus grands clubs, on va dire, ni moi. Mais est-ce que, rapidement, est-ce que vous avez des liens avec eux? J'ai des relations avec Rani Assaf. D'accord. Qui sont extrêmement cordiales et très correctes. Avec Steve Caligaro, pas encore. Ça viendra certainement. Et c'est important de pouvoir échanger. C'est pouvoir pour discuter. Ça que je vous posais la donc, question. Donc, ça se passe de manière extrêmement cordiale et agréable avec Rani Assaf. Un dernier mot, peut-être, sur le parquet du Parnasse. Et oui, une bonne on nouvelle. Terminer et oui, depuis le temps que vous l'attendiez, il est réputé dur, ce sol, cette surface du Parnasse, hein, qui entraîne parfois un peu des blessures et que les joueurs se plaignent un peu. Il va y avoir un vrai parquet début janvier qui va être posé. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Alors, déjà, je reviens un peu sur les propos. Les blessures, on ne sait jamais. Oui. Les blessures, disons, ça vient. C'est pas la surface la plus. Je pense que c'est un ensemble qui fait que malheureusement, les joueurs, des fois, il y a des accidents, il faut évaluer les choses. Bon, voilà, je préfère remettre dans le cadre. Oui. C'est moi qui l'ai dit. Là. C'est moi non, qui l'ai non, dit. Non, mais c'est toujours intéressant de remettre les choses un petit peu comme elles doivent être sur interprétées. Le parquet. Le parquet,
il va normalement arriver. Moi, je n'ai pas de communication encore à faire à ce stade, mais il semblerait effectivement qu'il y ait un parquet. Oui, le bois sent bon, effectivement. Vous avez le sourire, c'est ça sent bon. Donc, je pense qu'il va y avoir un parquet. Je pense que c'est vraiment quelque chose de formidable. Et notre premier partenaire, évidemment, hein, qui est la ville de Nîmes, est sensible aux conditions des joueurs. Je crois qu'on a une équipe extrêmement professionnelle. Et oui. On a un coach très professionnel. On a la chance d'avoir un public passionné. On a la chance d'avoir une dynamique vraiment de qualité depuis de nombreuses saisons. Donc, pouvoir donner les meilleures conditions pour pouvoir performer, c'est quelque chose qui sera formidable. Ce sera un petit cadeau de Noël. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. David Tebib, on enchaîne tout de suite avec le Club des sociétaires. Allez, dans le Club des sociétaires, ce soir, on va débattre de l'avenir du cinéma, qui est une passion pour notre invité, David Tebib. Corentin, quelques mots rapides. Eh oui, le cinéma est en crise depuis la crise Covid. Après un mois de septembre historiquement bas, on en avait parlé, les propriétaires de salles avaient de quoi s'inquiéter. Les Français ayant tendance à privilégier les plateformes vidéo comme Netflix ou encore Amazon depuis plus de 2 ans maintenant. Pourtant, le cinéma retrouve enfin des couleurs, hein, comme le notent nos confrères des Échos. La fréquentation est repartie à la hausse en octobre grâce à des films comme Black Panther, Wakanda Forever, 1,6 million d'entrées, Black Adam, 1,9 million, plus de 2 millions d'entrées pour novembre. Alors, est-ce qu'il s'agit seulement d'un phénomène ponctuel ou durable? Une chose est sûre, les cinémas espèrent désormais retrouver les chiffres de 2019. En attendant, les plateformes continuent à engranger des abonnés. Alors, est-ce que c'est la fin du cinéma, on en parle ce soir dans l'émission. On va démarrer avec le spécialiste cinéma, bien évidemment, David Tebib. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de la situation aujourd'hui du cinéma? Alors, je serais capable de vous faire une émission de plus d'une heure. Je me doute. Hein. Je vais essayer d'être dans la synthèse. On a 5 minutes. On a 5 minutes. Bon, rapidement. Est-ce que le cinéma va disparaître? Sûr et certain que non. Est-ce que le cinéma a évolué et va subir, évidemment, Les lendemains, une mutation par rapport au Covid, etc. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on est en train de retrouver des chiffres exceptionnels avec Black Panther. Hein. C'est 350 millions de dollars à travers le monde. C'est une attente comme jamais on a eu avec Avatar 2 qui va arriver. Aujourd'hui, comment imaginer voir ces films sur un petit écran? Voilà. Alors, pourquoi je parle du petit écran? Oui, mais ces films-là, il n'y a pas des aussi gros films. C'est pour ça que je parle de mutation. Voilà. Pour moi, la mutation, elle va se faire sur 2 points. Le premier, c'est l'aspect technique, l'aspect technologique des salles. Aujourd'hui, on va avoir des conditions que jamais vous ne pourrez avoir, sauf quelques privilégiés qui ont des salles de cinéma privatives et qui peuvent avoir du matériel de très haut niveau. Mais hormis ces privilégiés, ou en tout cas ces chanceux, on va avoir des nouveautés et des innovations au niveau technique jamais vues dans les salles de cinéma. Ça va être véritablement une expérience nouvelle. C'est ce que j'allais dire. En fait, on va vivre une expérience hors norme. Exactement. Le deuxième point, c'est que là aussi, il va y avoir un changement au niveau des pratiques. C'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir des réflexions sur des abonnements, sur des prélèvements avec des cartes illimitées, sur des mêmes systèmes que des happy hours. Si vous allez à telle séance, avant les séances qui sont fortes, vous allez payer un billet moins cher. Le cinéma va évoluer et va proposer des services, il va devoir innover, qui vont il va faire devoir que innover. On va forcément. Continuer à vivre. Moi, j'aimerais demander juste à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est jeune. Mmh. Est-ce que vous allez encore au cinéma, Jean-Baptiste? Oui, assez régulièrement, je dirais peut-être une dizaine de fois par an. Pour aller voir. En moyenne. Quel est le moteur de votre décision d'aller au cinéma? C'est pour voir c'est varié, un blockbuster. C'est varié. Voir un film français. Je suis allé voir Novembre récemment. D'accord. Le dernier film que je suis allé voir. C'est varié. C'est soit des films. Ça tourne autour de trois types de films. En général, c'est soit des comédies, soit des films dont on parlait, style Avatar. Enfin, tous les films qui font qu'à mon avis, on va vers un cinéma qui est encore plus fort que ce qu'il est actuellement. Ce sera encore plus fort que le cinéma. Voilà, c'est ce que et les plateformes David. Qu'on a à la maison aujourd'hui, elles ne remplaceront pas non, ça l'expérience va... cinéma. Non, je rejoins les propos de David Tebib. Ça va, c'est-à-dire, on va vers un cinéma peut-être de plus grande qualité.
On va peut-être perdre en quantité dans le nombre de films qui vont être produits, diffusés, en tout cas qui auront la capacité financière d'aller dans toutes les salles de France. Oui, parce qu'il y a peut-être trop de films aussi. Moi je pense qu'on va vers ça. C'est ce qui pose problème pour certains films. Puis beaucoup ont du mal à avoir des budgets costauds. Et je pense qu'on va aller vers ça. Des films peut-être moins nombreux, mais de meilleure qualité. Malheureusement, je pense, désolé pour les passionnés de cinéma, mais je pense que c'est la fin déjà. Il va y avoir une évolution, mais à quel prix? Déjà, il y a le tarif. Kinépolis, c'est une ou même d'autres cinémas. C'est vrai que malheureusement, les prix... On est à 12-13 euros sur une place pour une famille, sans compter le coca et les pop-corn, on est déjà à 50 euros. Déjà, il y a la question du tarif. Et puis à la maison, maintenant, une belle télé, une barre de son Bose, et Disney+, Amazon, Netflix, l'IPTV, ça coûte moins cher. Mais je comprends que les passionnés Mais je pense que pour des familles, la réflexion est plutôt de dire, on est à la maison... On s'y met. Un film qui est au cinéma, oui, mais 6 mois après, il est sur une plateforme et on peut le voir. Donc, je pense que ça va être réservé. Sur Canal+, parce que sur la plateforme, c'est d'ailleurs une des questions. Sur Canal+, mais sur l'IPTV aussi. Oui, mais c'est une des questions. L'IPTV, oui, c'est illégal, mais bon, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui l'ont. Non, mais il y a une réalité. Il y a un élément, je vais donner la parole à David Tebu qui va vous répondre, mais moi, j'ai une question aussi pour David Tebu, parce que ce qui est intéressant, c'est peut-être ce qu'on vit en France avec le cinéma. Parce qu'il y a une question d'exception culturelle française. Il faut en parler. Et il y a une question également qui lié à la durabilité de ces films. Aujourd'hui, les plateformes comme Disney mettent la pression aussi sur les exploitants de cinéma en France parce que la fenêtre de diffusion pour Disney+, par exemple, elle est de plusieurs mois alors que Canal+ peut diffuser un film au bout de 6 mois. Mais si vous savez, si vous parliez un petit peu du sujet avec Evrard Zaouche, par exemple, qui est exploitant du CGR et ami, il vous dirait que les deux premiers mois servent véritablement de chiffres et d'entrées. Donc, grosso modo, ces délais, la seule crainte, ça serait de dire, ah ben tiens, si c'est encore plus court, est-ce que je vais me déplacer? Mais en fait, oui, on va se déplacer. Pourquoi en fait? Vous l'avez bien dit. Les Frères Lumière, ils ont créé en 1895 le cinéma en France. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le 7e art chez nous. C'est véritablement quelque chose qu'il faut rappeler. Le deuxième point qu'il faut rappeler, quand ils ont projeté leur premier film, c'était dans un bar. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'ils voulaient, c'était vivre l'expérience avec des personnes. Et aujourd'hui, lorsque vous allez voir une comédie, et j'ai vu la semaine dernière Le Clan de l'excellentissime Philippe Corti, qui était juste un petit bijou de comédie, rire devant et avec 400 personnes, ce n'est pas la même chose que de rire seul dans sa chambre ou dans son salon. L'expérience du cinéma, elle est unique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les films de genre, il y a eu un article, je crois, dans Le Figaro ou dans Les Échos, je ne sais plus, les films de genre, les films qui font peur, sont les films les plus recherchés par la jeunesse. Et on assiste notamment à le film Smile, qui a été un des plus gros, ils appellent ça les sleeper blockbusters. C'est-à-dire que c'est des blockbusters qu'on ne voyait pas arriver, qui étaient dormants. Et en fait, ils ont eu un succès au-delà de ce qui était prévisible. Pourquoi? Parce que c'est comme aller à la fête foraine. D'ailleurs, je déteste aller au cinéma aux États-Unis. Parce qu'ils parlent, ils se jettent du pop-corn. Le 7e art, il n'est pas trop respecté. Oui. Mais à l'arrivée, ça reste une expérience. Et se faire peur au cinéma, on ne peut pas se faire peur dans sa chambre ou dans son salon avec un film. Et sur les fenêtres et l'exception culturelle en France, qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? Est-ce que c'est normal aujourd'hui, par exemple, que Disney ne puisse pas mettre sur sa plateforme Disney+, les films qu'il a produits, qu'il a payés 6 mois après son exploitation dans les salles? Alors, je pense qu'il faut protéger les cinémas. Ça passe par un minimum d'une fenêtre de protection pour les cinémas. C'est indispensable. Mais Canal, c'est 6 mois. Oui, Mais je pense que potentiellement, ça peut être discuté. Et d'après ce que j'ai entendu et ce que j'ai lu, c'est discuté au moment où nous sommes en train de parler. Parce qu'ils sont obligés de se mettre autour de la table compte tenu de la puissance de frappe. Vous savez comment ça se passe? Un billet de cinéma, c'est la moitié pour l'exploitant, la moitié pour le producteur. Donc, aujourd'hui, ils sont obligés de se mettre autour de la table et de discuter. Je pense que ce délai va être raccourci. On va se retrouver avec des délais plus courts. Mais les films fonctionnent sur 2 mois. Et oui. Très rapidement. J'ai une question pour vous. Il y a une polémique. Je ne sais pas si Jean-Baptiste, après, voudra rajouter quelque chose. Mais il y a une polémique, il y a quelques mois, sur la diffusion des films Netflix dans les cinémas. Et notamment, par exemple, au Festival de Cannes, il y a eu un peu une levée de bouclier pour pas que les films Netflix, finalement, ils y ont été présents, mais pour que les films soient présentés dans un festival de cinéma, parce que finalement, ils considèrent que c'est une négation, les plateformes comme Netflix, du cinéma. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, là, je serais beaucoup plus tolérant. Pourquoi?
parce qu'aujourd'hui, les plus grands réalisateurs du monde peuvent faire et font. On le voit avec Scorsese, qui a signé son prochain film avec Apple. Tarantino, qui vient d'annoncer une série. Voilà, on le voit avec beaucoup de réalisateurs. David Fincher, qui va sortir sur Netflix son prochain film à Noël. On voit très bien qu'aujourd'hui, de très grands réalisateurs vont sur certaines plateformes, mais vont aussi et restent, Dieu merci, au cinéma. Donc, je pense qu'il y a deux choses. Un, ça permet aux plateformes de faire du buzz. Donc, ça, c'est sûr. Je crois qu'il y a aussi une course à la récompense. Lorsque Netflix sort son film sur un circuit de salle aux États-Unis, c'est pour pouvoir concourir aux Oscars. La réalité, en fait, elle est là. Moi, je pense qu'il ne faut pas être sectaire. Chacun doit trouver sa place. Je suis un grand défenseur du cinéma. J'y vais depuis mon plus jeune âge. Oui. Le cinéma, c'est quelque chose de magique. Je suis l'homme que je suis grâce au cinéma. Donc, vive le cinéma. Mais aussi, les plateformes vont continuer. J'ai une dernière question. Est-ce qu'on pourrait imaginer demain que des films de plateforme comme Netflix ou Disney, etc., en prenant plutôt Netflix, n'est pas comme Disney producteur de films de cinéma, est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, qu'une fois par semaine, le film événement de la plateforme Netflix se retrouve au cinéma? Oui, mais je pense que ça peut être discuté parce que... Finalement, le phénomène est réellement... Et les exploitants de cinéma, c'est d'accord, non ? Il faudrait le transformer pour un avantage pour les exploitants, un avantage pour le circuit des cinémas et certainement qu'il pourrait y avoir des deals qui peuvent exister. Merci beaucoup. En tout cas, c'était passionnant. On en reparlera du cinéma que c'est toujours un plaisir de parler effectivement de ce sujet. Allez, c'est l'heure tout de suite du Club Info. Allez, commentaire, on démarre tout de suite avec une famille de Roms qui a été menacée d'expulsion à Uzès. Oui, depuis 2013, quatre générations d'une même famille de Roms vivent à Uzès. Elles ont établi un camp sur le site d'une ancienne briqueterie dans une zone industrielle. Leurs conditions de vie sont particulièrement précaires, dans des caravanes et sans eau courante, on le voit sur ces images. L'association Réseau d'éducation sans frontières s'inquiète de leur devenir alors que des travaux se profilent sur cette ancienne friche industrielle. La famille a peur de se retrouver à la rue. À la communauté de communes Pays d'Uzès, on assure qu'un dialogue constant est établi pour garantir leur sécurité avec les travaux autour et pour trouver une solution de logement. On revient à Nîmes avec des élèves de CP qui sont venus planter chacun un arbre à l'aérodrome de Courbesac. Exactement, c'est une initiative portée par la ville de Nîmes. Les 1554 élèves de CP de Nîmes vont planter chacun leur arbre du 14 au 25 novembre. Après la Bastide l'année dernière, c'est la deuxième édition de ce projet pédagogique autour de la biodiversité. Alors en plus des chênes et des frênes, cette année les enfants ont aussi planté des arbres fruitiers comme des pêchers, des figuiers et même des poiriers. On le voit ici ce matin avec le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier. D'ici la fin du mandat du maire nîmois, quasiment 10 000 arbres seront plantés. L'année prochaine, les plantations devraient avoir lieu du côté de la zone humide du Mas de Vignoles, à côté du stade des Antonins. Et on part à Vauvert, où l'extension de la gendarmerie a été inaugurée. Oui, construite en 2003, la caserne de Vauvert a bénéficié d'un agrandissement de plus de 1300 m² dans lesquels 19 logements ont été créés, ainsi que 450 m² de bureaux neufs. Le coût des travaux avoisine les 5 millions d'euros. Étant moi-même fils de gendarme, c'était important d'apporter bien-être et sécurité aux familles, a réagi le maire de Vauvert, Jean Denain. Et on termine, Corentin, par la météo de demain. Le soleil sera encore de la partie ce vendredi, même si quelques nuages, on le voit, pourront s'inviter essentiellement en matinée. Ce sera plus nuageux en Cévennes. Quelques flocons sont même possibles au sommet de l'Aigoual. Et oui, le climat est encore là, il va neiger peut-être à l'Aigoual. Du côté des températures, il fera un peu plus frais avec 7 degrés en moyenne demain matin. L'après-midi, on attend 14 à Bagnoles, 15 à Alès et 15 à Nîmes. Merci Corentin pour toutes ces informations. On arrive au bout de cette émission. Et il reste bien évidemment quelqu'un qui va arriver. Le meilleur. C'est place au Brandon Brain, tout de suite. J'espère bien que c'est un plaisir. Vous allez bien, Sacha ? Très bien. Oui, on y va pour le jeu, vos questions sont prêtes ? Les questions sont prêtes, mais par contre, je vais mettre ce petit casque, on va voir ce que ça donne. Ah oui ? Alors allez-y. Le faites pas tomber, Sacha. Ouais, s'il vous plaît. Il y a de la valeur. Je crois que c'est un objet de collection de notre invité. Ah, c'est pas mal pour le Brandon Brain. Monsieur le Pébib, on va vous proposer d'aller rejoindre Sacha Virga. Derrière le comptoir. Juste enlever derrière les bonnets parce qu'on voit pas grand-chose sinon. Oui, vous voyez les choses. Le faites pas tomber, Sacha. Du Brandon Brain. Sacha, j'espère que les questions
sont aussi pertinentes que les autres soirs. Ah, vous allez carrément le faire avec ça, je ne sais pas si on va vous entendre, Sacha. Est-ce que vous m'entendez bien? On entend très bien. Parfait. On lui aura fait. Je vais regarder une question, attendez, c'est un peu compliqué. Il aura tout fait. Sacha, alors, vous m'écoutez? Ah, merci. Oui, je vous écoute, je vous entends. Mais vous les voyez, vos questions ou pas? Je vais voir si je fais comme ça. C'est bon, pas un selfie, allez, c'est... Parfait, on va rire encore une fois. Allez, on va juste préciser quelque chose, si ça ne vous dérange pas, Sacha. Je vais dire les règles du jeu. On va rappeler les règles du jeu à notre invité David Kébib. Un coca. Voilà, ce sera après l'émission. Après, c'est bientôt terminé, on va boire un verre. On va expliquer à David Tebib et à nos téléspectateurs comment ça fonctionne ce jeu. Sacha Virga va vous poser 5 questions. Il va falloir que vous reteniez dans votre esprit les réponses. Et à la fin, il faudra nous donner 5 réponses, un peu comme le célèbre jeu de burger. Si vous remportez le jeu, vous remportez un abonnement d'un an au magazine Objectif Gare, qui est désormais en hebdomadaire tous les mardis. Et sinon, un lot de consolation, une boîte de brandade. Formidable. Et un petit coup à boire. Exactement. C'était l'explication la plus longue de ma vie. Ah oui, alors et les questions les plus courtes, j'espère, de votre vie. On l'a pas mis ce soir, on va le mettre quand même. Oui, c'est sûr, ça veut dire qu'il y a des... il y a beaucoup de sujets. Oui, c'est vrai. Quoi. On y va, Sacha. Petite la musique. La musique, Nicolas, la musique, s'il vous plaît. Peur. Allez. David Tebib, première question. Entre John Williams et Steven Spielberg, c'est une longue histoire d'amour. D'ailleurs, pour les Dents de la Mer, il s'agit de leur combienième collaboration? Deuxième question. Deuxième question. Ne me coupez pas la parole, s'il vous plaît. Lequel de ces films n'est pas de l'illustre Max Pécasse? Embraille Bidas, ça fume. Embraille, pardon. Club privé pour couple averti. Ou passe par les coulisses, on arrive à la mairie. Elle est pas mal. Troisième question. Si votre livre devait être adapté au cinéma, qui verriez-vous pour jouer le rôle de David Tebib? Ah, pas mal. Quatrième question. Yul Brynner, Eric Dor ou Cadmerad? Ah, pardon, Sacha, je vous ai coupé. Redites les trois, s'il vous plaît. Yul Brynner, Eric Judor ou Cadmerad? Du Titanic ou du Parnasse, qui prend le plus facilement l'eau? Et enfin, cinquième et dernière question, si l'Oscar de la meilleure langue de bois devait être attribué à un politique ni moi, qui ça serait-il? Ah, c'est une question ouverte. Alors on y va, la première question. Allez, première. Est-ce que c'est bon? Oui. Non. Parfait. Il ne voit pas non. Là. Non, c'est pas bon. Bon, levez votre casque, Sacha, oui, on attend. Ça sera mieux. Vous voyez rien, ne faites pas tomber la première collaboration. Ne le cassez pas, s'il vous plaît. Alors, la collaboration. Là, on sait que Monsieur Déby va repartir avec une. C'est quoi la première collaboration? C'était Sugarland Express. Je connaissais, c'était Sugarland Express. Mais. Il y a toujours une couille avec les questions. Non. C'était un téléfilm. Enfin, c'était Duel. Après, il a fait Sugarland Express. Allez. Ah. J'ai limite. Bon, allez, on est limite. Allez. Duel, Sugarland Express. On va la compter. La deuxième. Je vais mettre le bonnet. Allez, la deuxième réponse, s'il vous plaît. La deuxième, c'était Max Pécasse. C'était la mairie, par la coulisse. C'était celle-ci c'est qu'il n'a jamais réalisée. Passe par les coulisses, passe on arrive à la mairie. Celle-là, il n'a jamais réalisé. Il aurait pu. La troisième question, c'était sur l'adaptation de mon livre. Et là, je dirais Eric Tudor. Eric Tudor? Eric Judor. Voilà, à la montre. Quatrième réponse. La quatrième, c'était le Titanic. J'aurais pu dire aussi, si j'avais été vilain, la défense de l'USAM, mais... Oh. Non, parce qu'on est en train de remonter. Oh, pour l'instant, je suis à 4 sur 4. Je suis pas loin de l'abonnement. On va vous amener. On va vous amener Benjamin Gallego pour la défense. Pas loin de l'abonnement. Et la cinquième réponse. Et la cinquième, Rachid Ben Marrouz. Qui fait le plus... Qui est un ami. J'ai fait la totale. Ah, c'était sympa. Je crois qu'on a validé. C'est gagné. Eh ben voilà, mais c'est heureux. Voilà. Allez, c'est le premier depuis 3 semaines. Voilà maintenant. Non, hier soir, non. Mais vous dites ça tous les soirs, qu'on va vous finir par plus vous croire en fait. Non, hier soir. Bon, vous avez gagné. Vous avez gagné, c'est essentiel. Le livre d'Antoine. Ah, formidable. Parce qu'on va vous remercier d'avoir été avec nous, d'avoir été libre ce soir. Vraiment. On a passé un très bon moment. On a parlé de plein de choses et notamment de cinéma. Donc c'était un moment très sympa. Le livre d'Antoine, c'est pour vous. Vous allez pouvoir découvrir la Nouvelle-Zélande.
Demain, je ne suis pas là. Je pars en week-end. Vous avez de la chance. J'ai le droit, le vendredi, oui. Peut-être. Vous le méritez, Monsieur Samary. Corentin, vous nous donnez votre programme du Club Sport. Et oui, qui est de retour après pas mal, quelques semaines d'absence. On aura deux invités. Alors, il y a toujours notre consultant, Patrick Chan, évidemment, qui sera là. Patrice Baumel, ancien entraîneur adjoint du Milieu Olympique, deux fois champion d'Afrique en tant qu'entraîneur adjoint côté d'Hervé Renard, sera avec nous. Et Xavier Mouret. Président du Stade Boquerois 30, donc un beau plateau pour parler de la riche actualité sportive de la semaine. Allez, c'est super. On va remercier Jean-Baptiste d'avoir été également avec nous. Merci Jean-Baptiste. Merci Abdel, merci à tous. C'était très intéressant. C'était sympa. On a parlé de plein de choses. On n'a pas parlé de politique ce soir, ça fait du bien aussi. Tout à fait. Mais il nous a quand même dit qu'il allait soutenir Éric Ciotti. Ah ouais. On a eu une info. Éric Ciotti ce soir, effectivement. On va remercier Corentin, bien évidemment. J'aime bien Pradier aussi. On va remercier Nicolas Dambre pour la réalisation de l'émission. On remercie Romain Cura pour la préparation de ce plateau. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi à 18h. Notre invité, c'est Jérôme Talent, le co-référent de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron. De nouveaux sociétaires seront là, un nouveau témoin également dans l'émission. Et bien sûr, Sacha, Corentin et Coralie. Il est l'heure de refermer ce club. Bonne soirée à tous. Hello world, wake me up to another good morning time to go.